Et bonjour à toutes et à tous, ici Pixel Pixel, de retour sur The Final Station, le DLC qui s'appelle The Only Traitor, avec mon magnifique accent. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu, et pourtant c'est un jeu que j'adore, hein. J'avais fini donc le jeu de base, que j'avais complètement adoré dans l'ambiance, dans les graphismes et tout. Et donc ça, le DLC, ça fait quand même plusieurs mois qu'il est sorti, je l'avais plus ou moins laissé tomber pour jouer à plein d'autres jeux et tout. Mais là, voilà, j'avais envie d'y rejouer, et c'est vrai que c'est un jeu que je trouve absolument formidable. Et dans ce DLC, si vous vous rappelez, il faut récupérer les trois éléments avant de pouvoir continuer. Parce que avant, on était dans un train. Et maintenant, on est en voiture et on a des gens avec nous. À chaque fois, je vais finir trempé. Oui. Je me rappelle même plus comment on joue à ce jeu. Alors, attendez. Alors, on frappe comme ça. Je crois qu'on peut... Non, comment on fait pour... Non, je sais plus. Ok, alors je vais essayer de le frapper. Voilà. En fait... En plus, la nouveauté qu'il y a dans ce jeu-là, c'est que à la place d'avoir uniquement des zombies, il y a aussi des brigands. Et alors, j'ai pas beaucoup de munitions. Donc voilà, je me concentre. Ouais, j'ai même pas pensé à les fouiller. Mais il me semblait qu'en faisant E, on pouvait fouiller. Donc ça, c'est très étrange. Et on continue. Et voilà, donc je disais, j'adore l'ambiance, j'adore les graphismes, et puis en plus, c'est un jeu qui a réussi à créer sa propre mythologie, son propre univers, et voilà. Alors, ok, parfait, donc là, ça me va, ensuite, il devient tout petit, ok, j'essaie de pas me faire blesser, voilà, parce que c'est assez compliqué, ça y est, il est mort, parfait, ça me va. Et donc, aux dernières nouvelles, bon, ben, on en apprenait tout doucement sur ça, et... comment dire, je sais pas. C'est vrai que j'ai essayé de me faire mes propres théories sur le jeu. Oh, pardon. Tu ne vas pas travailler aujourd'hui? Non, nope, j'ai dit que j'étais malade. Je vais enregistrer les guitares. Michael a déjà fini avec la batterie, et il m'attend pour la suite. Tu penses sortir quand l'album? Je ne sais pas, difficile de fixer une date pour ce genre de choses. Je ne veux pas bâcler le travail. En fait, c'est ça que je trouve super cool, c'est qu'on lit les messages des gens et tout, et ça nous distille un petit truc de l'univers. Oh, salut, toi. Hé, l'ami. Quoi? Ah, s'il vous plaît, prenez-moi avec vous. Je peux payer si vous voulez. J'ai l'air d'être un type qui a besoin d'argent. Eh bien, honnêtement, oui. Hé! Alors, actuellement, c'est lui qui me propose. Il est plus médic, et en plus, en crafting, bon, il est un peu moins bien que lui. Et là, à ce moment-là, j'ai Bob Cross. Et en fait, c'est ça qui est dommage, c'est que, bon, bah, dans la voiture, on peut pas avoir plusieurs survivants, on peut en choisir qu'un à la fois. Du coup, c'est ultra frustrant. Mais je vais prendre le médic. En fait, Sociality, j'ai jamais su ce que ça voulait dire, donc adieu Bob Cross. Et puis, de toute façon, si t'as de l'argent à me filer, moi, ça me va. Allez, on va aller fouiller ça. Ah, lui, je l'aime pas. Il crache, en plus. Ok. D'accord, une fois qu'il a craché, il s'en va. C'est trop bizarre. Très bien. Mais par contre, il m'a un peu blessé. Ah, ça y est, j'ai trouvé l'eau. C'est très bien. Sur moi, j'ai tout fouillé. On va jouer un petit peu. Non, on peut pas. On va voir ce qu'il y a là. Oh, ça m'énerve. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de l'autre côté et on va essayer de la voir de l'autre côté. Parce que là, j'ai pas assez de place si je descends. Voilà. Et franchement, j'espère que les créateurs du jeu vont faire une autre suite, ou un autre truc dans l'univers, ou un autre truc dans le système, parce que j'adore ce truc. Allez, parfait, bouteille de whisky. Allez, on va aller voir jusqu'au bout. Et oui, c'est vrai, en plus, à la différence de l'autre jeu, enfin du jeu d'initial, on peut aller à gauche, alors qu'avant on ne pouvait pas. Oh. Ok, allons-y. D'accord. Des munitions de pistolet x6, ça c'est super cool, parce que je les dépense un peu trop à mon goût. Ah, j'ai trouvé la bouffe. Ça sent le café. Ah, une petite note, je suis parti faire des courses, je reviens jeudi. Ou je reviens jamais. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la théorie de la création de l'univers le jeudi dernier. Et si en fait, l'univers avait été créé jeudi dernier et que tous les souvenirs qu'on a dans la tête nous avaient été implantés. Vous imaginez. Ok, donc en fait c'était bien de ce côté-là qu'il fallait aller. Moi j'ai toujours peur quand je passe à côté des portes comme ça parce que j'ai peur qu'il y ait des monstres qui en sortent. Non, c'est bon. Ça va. Donc normalement je peux rentrer. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais quand même continuer à l'explorer. Pour essayer de récupérer de l'argent. Et chaque fois que je recule, j'ai un peu peur. Oh oh. Ok.
Ok, alors, ok. Ah. En fait, il crache deux fois et ensuite il s'en va. Donc ça, c'est pas mal. Je peux taper le truc. Et est-ce que je peux passer là? Oui, je fouille. Pas d'essence. De toute façon, je m'en fiche, j'ai déjà l'essence. Je reviendrai après sur l'autre côté. Mais ce niveau est immense, en fait. Ok. Toi, tu meurs. Oh purée! Oh purée! Oh purée! Oh purée! Ah, je m'attendais pas à ça. Ok. On peut monter là-haut. Il y a rien. Ah, il y a un bouquin. Page 15. Après avoir renversé Vermont. Donc Vermont, c'est l'ancien président. Ou le président actuel, je sais plus. Les membres du conseil se sont fixés un nouvel objectif, diviser et assumer le contrôle du pays. Tous les programmes institués par Vermont ont été retardés, y compris la construction du gardien. Ah oui, en fait, on s'est rendu compte que le gardien n'a pas fonctionné, ce qui était censé protéger l'humanité. Mais, si j'ai bien compris, c'était peut-être volontaire, un sabotage en fait. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui étaient contaminés par ce virus, en fait, bah, ils devenaient soit des zombies, mais apparemment, ils transformaient les autres en une sorte d'entité, enfin une sorte d'humain amélioré, etc. Et c'est peut-être volontaire, c'est pour ça que je disais ça. Arthur Vail disparaissait sans laisser de traces peu de temps après. Nous ne savons toujours pas si les autres membres du conseil sont impliqués dans cette affaire. Voilà, j'adore. Et en fait, le problème, c'est que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu. Je n'ai pas vu même mes vidéos, donc je ne sais pas ce qu'il en est. Mais c'est pas grave. J'espère que vous appréciez cette ambiance avec moi, et que vous êtes bien confortablement installé pour me regarder. Alors, grâce à des sources fiables au sein de l'administration, nous sommes parvenus à obtenir les noms des vraies personnes qui siègent au conseil avec Vermont White. Christophe Taunton, Arthur Vane et Théodore Belfour. Ce sont des hommes qui ont renversé Vermont et l'ont enfermé dans une prison privée pour le restant de ses jours. Ok, d'accord. J'ai peur d'aller dans ce sous-sol. Ce niveau est interminable. Ok. Interminable. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que il me faut un escalier, voilà. Parce que du coup, sinon le monstre là-bas, il va, quand on le tape, il accélère et ensuite il explose. Regardez. Comme ça, il explose. Moi, je suis loin et je suis tranquille. Parfait. Bon, allez, je vais explorer le sous-sol tout de suite, comme ça c'est fait. Ok. Ok, je m'en vais. Encore ces trucs de cultistes satanistes ou je sais pas quoi là, et on sait pas trop ce que c'est encore, hein. Ok, il y a des trucs à récupérer, je crois, là-bas. Salut! Hop, je rigolais! Merci beaucoup. Mais arrêtez de me suivre! J'ai l'impression qu'il me sniffe à la trace, non? Vous croyez? Ok, oh, je me suis fait un peu mordre. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai pas réussi à tout tuer, hein. Il faudrait que j'aille explorer tout ça, en fait. Allez, on va essayer de voir ça. Ok. Bon, c'est pas grave. Alors, attendez. Oh, il m'énerve, lui. Aïe! Oh là là, il a... Oh, j'ai vu ses dents, ça m'a frôlé le jean. Oui, j'aime pas ça. Allez, viens par là. Voilà, et lui, je peux le taper. Normalement, voilà, c'est bon. Ah mon dieu, j'ai fait tout ça pour rien. Il n'y avait rien ici. J'ai perdu un quart de ma vie pour rien. Oh là là. Tant pis, c'est pas grave. Je saurai la prochaine fois. Je suis déjà venu ici. Ok, salut. On va fouiller là. Là. On va passer par là parce que c'est un peu mieux. Voilà, t'es mort. Ça, c'est plutôt cool tout. Et hop, il va exploser. Et moi, je m'en vais. Non, parce qu'un jour, je suis resté genre en bas de l'escalier et je me suis fait blesser. Alors, laisse tomber, quoi. Alors, c'est la goutte d'eau. Je crois que tu exagères. Il a cassé mon assiette de collection. C'est juste une assiette. Je crois que tu cherchais juste une excuse pour le virer. Bon, bah, adieu les assiettes. Ah non, je peux même pas les casser. Mais alors, ce niveau est interminable. Ou alors, je vais revenir par l'autre côté, vous pensez? Ça serait trop fort, ça. J'ai l'impression, oui. Ah, c'est trop fort. C'était donc un barrage, après tout. Ok, très bien, bah, je peux m'en aller. Tout est prêt, je peux y aller maintenant. Bon, j'ai pas tout visité, mais c'est pas grave. Donc, j'ai un nouveau gars avec moi, le petit musicien, là, je sais plus comment il s'appelle. Charles Berger. Alors, vas-y, soigne-moi un petit coup, s'il te plaît. Voilà. Il m'a rendu mes 70 HP. Ah, pas de problème. On va faire un peu de craft. Où allez-vous?
Je pensais à l'abri, près de Ristol. Ouais, sauf que Ristol, on sait qu'elle n'existe plus hein, dans l'autre jeu. On va lui demander de fabriquer ça. Oh, j'ai tenté de dire qu'il était déjà fermé. Effectivement. Donc, je peux même pas fabriquer de ça. Oui, moi aussi, mais je veux voir par moi-même. Ah, je peux même pas en fabriquer. Est-ce que je peux fabriquer des munitions? Fabriquer. Oui, j'en fabrique. Ok, très bien. T'as un plan de secours? Je ne veux pas l'utiliser. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu, et ce que vous pensez de cette ambiance, parce que franchement, moi j'adore quoi. Je comprends pas que ce jeu ait pas eu le succès qu'il méritait en fait. Franchement, c'est exceptionnel, moi je trouve. Et si je vous dis, j'ai l'impression d'assister à une série et tout, tellement cette ambiance est super forte quoi. Ce n'est pas si loin. Si on passe par le canyon, il y a une route. Oui, je te montrerai plus tard. Ah, cool, merci. Cool. Très bien, je pense que bah on va arriver, non? Voilà, très bien. Alors, voyons. Allez, pour changer, on va aller par la droite. Je doute qu'il puisse y avoir des survivants. Là, il y a une bouche d'égout. On va peut-être ressortir par là. J'ai 30 munitions, donc c'est pas mal. Oh oh! Oh oh! Ok. Je sais pas si je peux passer, en fait. J'ai cru que je pouvais pas passer. C'est pour ça que je l'ai tapé. Monsieur? N'oubliez pas que un seul bûcheron... Non, n'oubliez pas... Non, n'oubliez pas que pas un seul bûcheron ne peut survivre si vous en manquez un seul. Vous n'êtes pas payé. J'attendais... J'attends un rapport dans la matinée. J'ai rien compris. N'oubliez pas que pas un seul bûcheron ne peut survivre. Point. Que pas un seul... Si vous en manquez un seul, vous n'êtes pas payé. J'attends un rapport dans la matinée. Ok, du coup, on peut plus monter là-haut, d'accord. Oh, j'ai gaspillé les deux... Les deux munitions, là, ça m'énerve. Ok, donc lui... Ok, lui, c'est plutôt facile à gérer. Et ensuite, il descend, il rampe. Je m'étais fait avoir la première fois que j'avais vu cette horreur, là. Et je m'étais fait mordre et tout, ça m'avait saoulé. Oh mon Dieu, tout le monde est mort. Il s'est passé quoi, ici? Ce sont des blessures par balles. Ça doit être des brigands. Je déteste les brigands. Ok. Et c'est ça qui est super cool aussi, c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment il y a cet univers, cette ambiance, cette histoire qu'on découvre par petits morceaux comme ça, c'est génial quoi. Genre là, vous voyez, par exemple, on trouve des gens qui sont morts, on comprend qu'ils n'ont pas été tués par des zombies et voilà. Ok, monsieur. Monsieur. Ok, bon allez, on va essayer de faire ça tout de suite. Ok. Aïe 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 aïe, voilà, parfait. C'est pas mal. Ok. Parfait. Ok. Ok. Ça, je les gère bien. Il faut attendre qu'ils mordent et leur donner un coup. Voilà. Et ensuite, on continue d'avancer. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air pas mal. Ah, la bouffe est là. C'est assez rapide, ce niveau. On va continuer d'explorer par en bas. Monsieur? Qu'est-ce que vous faites? Monsieur? Eh gars, tu fais quoi ici? Moi? Tu fais quoi derrière les planches? Je cherche ma hache. Je veux retourner à l'atelier et achever ces créatures. J'ai une meilleure idée. Ah! Non! Je préfère l'autre qui peut me soigner mieux. Vous voyez, à la fin du niveau, hop, je peux récupérer tout. Liv, désolé. Écoute, mec, t'avais l'air sympa, mais quand même. Hein. Attendez, je pense que... Oh, j'aime pas ça. Oui! Ah, ouf, j'ai failli me faire mordre. Ok, au moins je sais qu'ils sont là. Du coup, je vais pouvoir les gérer tout à l'heure en passant de l'autre côté. Ok, il y a de la sûre. Ok. Oh mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Allez. Ok. Ok. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve de me faire avoir comme ça. J'aime pas ça. Allez, crash. Crash. Ok. Ok, pas mal. Ah, en plus, j'avais pas vu que je pouvais faire exploser ça. C'est zut alors. Oh zut. Je peux le prendre? Ouais. Ah, je me suis blessé tout seul. Mais quel boulet, mais quel boulet. Oh là là, j'aime pas ça. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Oh là là.
Alors attendez, bon, on va essayer de gérer par là. Déjà, ça se fait bien. Ok, pas mal. Oh là là, mon dieu, mon dieu. Ok, j'y arrive pas. Oh, en plus, ce truc il rampe là, c'est dégueulasse. Allez, hop, 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 on va passer par là. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ok. Aïe, aïe. Ok, ok. Non, mais je vais me soigner. J'ai trop peur qu'il m'arrive un truc. Ok. Oh là là. Bon, salut, je rigolais. Ah, attendez, on va prendre ça. Ok. D'accord, donc c'est bon. Là, c'est tout géré. Thomas, on était débordé à l'entrepôt, tu es où? Je ne pense pas pouvoir venir. Pourquoi pas? Toutes ces menaces, je pense que nous ne devrions pas les ignorer. Nous n'aurions jamais dû nous préoccuper de cet arbre. Bon sang, t'es sérieux? Ces bouffeurs d'écorce nous ont toujours fait suer, c'est quoi ton problème? Allez, on va gérer ça, maintenant. Oh, coucou. Salut les gens. Ah d'accord. Je sais pas si lui on le peut tuer à la batte. Jamais essayé en fait. Bon, j'ai pas l'impression, c'est pas grave. Salut toi. Voilà. Ok, parfait. Vito saut 1000. Ok. Anonyme, c'est le dernier avertissement, laissez ta arbre tranquille. Anonyme, sinon vous êtes... C'est ridicule, j'appelle la police. C'est marrant. Allez, allons voir là. On va charger. Super, donc lui il est là-bas. Je vais pouvoir le faire exploser. Coucou. Ok, je me casse. Et en plus, les deux autres vont mourir. Ou pas. Il n'y en a qu'un des deux qui est mort. Ok, parfait. Je prends ça au cas où il y a un zombie. Mon dieu. Oh là là, mais je suis nul des fois. Qu'est-ce que je me déteste. Bon, alors attendez. Comment je vais faire là? Ça m'a l'air très compliqué. Hein. Oh. Ok, c'est bon. Je préfère qu'il soit de ce côté-là. Ok. Ok. Ok, j'ai géré. Par contre, vraiment, les munitions, ça devient un gros problème. Alors, lui, je l'aime pas. Ok. Je l'aime pas du tout. Ok, c'est pas mal. Munitions de pistolet, ça, c'est cool. Les membres du groupe religieux appelé l'Ordre de l'Avènement ont pris le contrôle d'une mine de charbon au sud. Cela va nous forcer à changer nos plans de chauffage pour l'hiver. Cette année, nous allons utiliser du bois, ce qui signifie que notre affaire aura de lourdes responsabilités. Ok. Parfait. Continuons l'exploration par ici. C'est quoi ce truc? Ah, ça y est, j'ai tout. Je peux m'en aller. Mais ce que je vais faire, c'est que... Ok, encore un coup. Encore un coup. Encore un coup. Allez, je te frappe. Ah, d'accord. De l'argent, x12. Ah, c'est quoi ce truc? Je sais pas. Très bien. Bon. Alors, je vais retourner à la voiture. Je vais essayer de voir... Si... Ah non, mais c'est, non, c'est bon. S'il y a pas... j'ai bugué, excusez-moi. Un lieu où, que j'ai pas exploré. Mais si, je pense que j'ai tout fait. Ouais, c'est ce que je disais là, par exemple. Quand il me manque... Pardon. De la vie. Et ben, le mec, à la fin, il peut me soigner. La série de Vito. Parfait. Je peux y aller maintenant. Allez, on va continuer. Allez, on se fait un petit niveau de plus quand même. C'est pas mal tout ça. Mais alors, c'est vraiment la galère, hein, cette histoire de... On va me soigner un petit coup. Cette histoire de... De munitions et tout. Tu as une bonne voiture. Putain, je peux rien fabriquer. J'ai dû bosser pendant 5 ans à la centrale pour me la payer, donc bon. Ok, c'est bon, j'ai quand même des petites munitions. Par contre, ça devient problématique. Waouh. Et ça te dérange si je te conduis la prochaine fois? Oui, ça me dérange. Voilà, c'est moi qui ai fait les dialogues. T'as même pas essayé d'y réfléchir. Ben, c'est tout réfléchi. Parce qu'il y a aucune chance que ça arrive. Eh oui. Allez. Eh mec, je vais te virer de ma caisse hein, si tu continues comme ça. Tu es fatigué. Non, je ne suis pas fatigué. Je suis sûr que t'aimerais bien faire une petite sieste, c'est ça ouais. Non, 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 je n'ai pas confiance en toi. Allez, je vais te virer là, tu m'as fait peur. Non, c'est bon. J'aurai tout le temps de dormir dans l'abri. On se reposera quand on sera mort, comme certains disent. Allez, on y va.
Alors, on va y voir. Ça me rappelle quelque chose. J'espère qu'il y a des survivants. Allez, cette fois-ci, on va par la gauche. Ok, ça commence. Quel est cet endroit? Est-ce que ça me dit quelque chose par rapport... Ok. 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 Vas-y, crache-moi dessus. Encore? Ok. Parfait. Je sais pas si ça me dit quelque chose par rapport au premier jeu ou pas, en fait. En même temps, ça fait 2 ans que j'ai pas joué à l'eau, donc c'est sûr que c'est compliqué pour moi. Ok. Ah bah il y a déjà l'essence, je l'avais pas vu. C'est quoi ce truc? C'est étrange. Vous avez vu, il y avait le mur, il était un peu abîmé, ça veut dire qu'on pouvait traverser normalement. Ok. Ok. Une douche. Ok. Ah ça c'est bien. Allez. Oh là là. Ok, parfait. Toi, je t'aime pas. Tout là-dessous, t'es un... Aïe, 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 aïe. Vous avez vu comme il a essayé de me taper? Alors, on y va. Vide. Zut. Ok. Encore un petit coup. Il y a des survivants. On dirait pas. Hein. Ah, des pilules. C'est ça qui me manquait pour me faire un kit de soins. Oh, trop cool. Ok. C'est quoi ça? Allez, on y va. Voilà, parfait. Oh super, c'était bien la peine. Attendez. Ouch, j'ai failli me faire tuer. Ça va, c'est cool. On va prendre ça et on va le jeter sur ce petit monstre dès que je sors. Voilà, parfait. J'ai pas fouillé le petit monsieur. Ok. Ok. Ah. Bon sang! Vous étiez dans le train? De quoi parlez-vous? Comment êtes-vous arrivé ici? Ah oui, du coup, je me disais bien que ça me faisait quelque chose par rapport au premier jeu, en fait. Oh, j'ai conduit une voiture. Ouf. Je peux venir? Aïe, pardon, je me suis griffé. C'est exactement le même que Charles Berger. On dirait hein, que c'est exactement le même. Et du coup, je vais prendre lui, parce que lui commence à me faire peur avec ses histoires de machin, là. Allez, je te fais la clim gratuite chez toi. Donc... J'ai tout fouillé ici, on est d'accord. Ok, ça m'a l'air tout bon. Là, c'était vraiment bizarre ce truc en bas. On va passer par en haut. Et on va aller de l'autre côté pour récupérer la bouffe et l'eau. Ah, j'ai pas l'impression que je puisse rentrer par là. Ah si, d'accord. Oh là là. Salut, au revoir. Il y a quelqu'un? Ok, si, si, ça me dit quelque chose, hein. Ok, je vois. Ok, il va ramper ensuite. Ok. Non, il n'y a rien. Comment je vais faire en bas? C'est insupportable. Ok. Bon, je verrai ça à la fin. Oh là là. Comment tu as désactivé le cristal? Tu as perdu la tête! C'était un ordre direct d'Adam. Il veut le transporteur par le train. Te transporter par le train. Eh oui, c'est ça, effectivement. À un moment donné, on avait un cristal et tout. Il fallait vérifier qu'il chauffait pas trop et tout. Le transporter, oui, il faut quoi? De nous, toute la ville en dépend. Je sais, mais les ordres sont les ordres. Eh oui, effectivement, ça y est, je me souviens. Allez, tout le monde explose, s'il vous plaît. Oh! Ça fait mal. L'eau est là, regardez. Oh là là, il m'énerve, lui. Ouais. Allez. Ah oui, une fois qu'il m'a touché, il s'en va. Donc ça, c'est pas mal. Ah oui, ça y est, je me souviens de ce lieu, bien sûr. On prend l'eau. Et ensuite, on va aller se confronter à ces méchants bonhommes. Et un. Et deux. Aïe, il m'a mordu, il m'a fait mal. Ah, oh, zut. Oh, il y avait un écran que j'aurais pu jeter sur lui. Je suis bête, des fois. Ouais, je me souviens de cet endroit. Et là, je me souviens, ça fait comme ça monte. Et là, il y a un truc ici. Oh là là, mon dieu, d'accord. Oh là là, c'est dégueulasse. Donc ça se passe bien après, en fait. Oh, il y a un mec qui va sortir par là. Non, c'est bon? Ok, trop bizarre. Oh là là. Cher Adam, maintenant que vous avez mon fils Armand,
Non, vous que... Non, maintenant que vous et mon fils Armand avez obtenu vos diplômes de lycéen, un bel avenir s'ouvre devant vous. Il est important que je vous demande une faveur à présent, parce que je ne pense pas avoir d'autres opportunités. Un nommé Arthur Vane devrait revenir un jour, et il veut que vous fassiez tout votre possible pour le tenir éloigné de mon fils. Cela ne devrait arriver avant plusieurs décennies, c'est pourquoi il est très important que vous vous en rappeliez. Dans le cas contraire, le futur sera impossible à changer. Oh là, ça parle carrément de... Ça parle carrément de voyage dans le temps et tout. J'entends des voix. Oh, mais c'est lui, je m'en souviens, lui. C'est lui qui a tué le personnage à la fin du premier. Tu étais censé endommager le cristal, ça faisait partie du marché. Je crois qu'ils n'auront aucun souci avec le gardien. C'est important, avec ou sans cristal. Ils s'en foutent. Ce qui importe est que tu n'as pas réussi le test. Oh, un test! Et pour l'abri, vous l'avez laissé ouvert pour les miens. Vous voyez, en fait, ceux qui sont contaminés par le virus, ils ont les yeux blancs, ceux qui ont résisté à la maladie, en fait. Je crois que j'ai oublié, désolé, trop de boulot. Dommage. Je pensais que vous aviez réalisé comment cela allait finir. C'était inévitable, Adam. Il va se faire tuer. Nous verrons. Armand voulait te parler. Armand? Il est ici? Oui. Allons-y. J'ouvre la porte. Ils m'ont même pas vu venir, c'est trop bizarre cette histoire. Qu'est-ce que ça signifie? Mais alors, je comprends rien. Bon, d'accord. Hé, attends! On en reparlera plus tard. C'est ça, c'est ce fameux cristal. Ils sont allés où? Ah, la nourriture. Organisation des réunions d'Adam Thornton. 11h Alex, Medim annulé, Richard responsable des années, Vanessa Riley à tout moment important, Edward Jones. C'est quoi ça déjà? C'est l'ascenseur pour sortir? Ah d'accord, je me retrouve là en fait, ok. Oh, c'est fou, mais alors moi ça m'intrigue tellement, je veux dire ça me... Franchement ça me fascine cette histoire, j'adore, j'adore, j'adore. Bon, et ben je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cet épisode, et puis on verra ça la prochaine fois. J'espère avant plusieurs mois, voilà. Bah, ah non, c'est vrai que j'avais dit que j'allais essayer de gérer les gens en bas, en fait. Ça peut être pas mal, là. Quand même. Ok. Yop là. Yop. Aïeux. Oh, c'est bon, je me casse, ça m'a saoulé. Mais pourquoi je fais ça? Je suis sûr qu'il n'y a rien en bas en plus. Ouais, de toute façon, je me ferai soigner par l'autre. Attendez, on va faire ça bien. Regarde, on va lui tirer dessus. Ça m'a saoulé. Non, mais il meurt jamais. Oh là là. Ok. Bon, c'est bon, il est mort. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Oh, non, mais j'ai gaspillé trop de balles. Mon Dieu, j'ai fait tout ça pour rien. D'accord. Oh là là. J'ai limite envie de recommencer le niveau. Non, mais c'est pas grave. Voilà, et eh ben, écoutez, on va faire ça. Et on se retrouve donc la prochaine fois. Je ne sais pas quand je ressortirai une vidéo sur ce jeu, parce que je ferai ça à l'envi. Et puis voilà, on va quand même lire le texte, et puis on verra. Et puis, c'est comme ça. Merci de m'avoir sauvé. J'ai bien dégusté ces derniers jours. C'est confortable ici. On va où? On va à l'abri de Ristol. À l'abri à l'ouest. Dans les montagnes. Ah, on va crafter un petit coup. Ah, je peux toujours pas. Rien n'est plus sécurisé à présent. Je comprends pas pourquoi je peux pas fabriquer ça. Et l'abri local. Il est déjà fermé. C'est pas bon. Tu sais quelque chose? Non, je viens d'arriver à Ristol. Ah, donc tu n'es pas d'ici? Non, je viens du nord. Je suis arrivé aujourd'hui en train. En quoi? Quel train? Ils sont toujours opérationnels? Ah ah! Eh oui, c'est fait le petit cross-plateforme avec le cross-histoire avec l'autre. Un train, oui. Bon, et ben voilà, écoutez, on se retrouve donc la prochaine fois. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec vos amis si vous l'avez appréciée, à vous abonner si vous me découvrez seulement. Je fais plein d'autres jeux, donc sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, ben voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. Peace out !